Oui, merci beaucoup. Alors, donc, la première affaire concerne le plan de prévention du risque inondation de la ville de Pérol. Donc, nous devons approuver ce PPRI révisé. Alors, c'est l'événement climatique du 29 septembre 2014 qui a impacté notre territoire métropolitain et en particulier la ville de Pérol. Je pense que mon collègue assis devant moi s'en souvenir assez bien, Jean-Pierre. Voilà, donc cet événement qui a provoqué des pluies très importantes et donc des inondations très importantes sur Pérol a mis en lumière que le PPRI actuel, enfin le PPRI de cette époque, qui datait de 2004, était très insuffisant pour protéger les populations, pour protéger les biens et les activités. Décision a donc été prise de le réviser. Cette révision a permis d'intégrer les nouvelles connaissances qui amène à une meilleure compréhension de la vulnérabilité de Pérol face aux inondations. Donc, je fais plus vite que ce que j'avais prévu. Donc, elle a permis aussi de travailler à des solutions. Il a permis aussi, de travailler à des solutions qui ont été traduites ensuite en mesures et en obligations. Donc, il s'agit en fait d'un document qui permet un zonage de la commune en tenant compte des aléas, auxquels elle peut être soumise en termes de causes d'inondation et en tenant compte aussi des enjeux du territoire, zone urbanisée, urbanisée, etc. Donc, ce document, au bout du compte, lorsqu'on l'examine, on peut conclure très facilement au fait qu'il est de nature à répondre aux objectifs auxquels il doit répondre, à savoir, d'une part, protéger les populations, les biens et aussi les activités, et d'autre part, garantir l'écoulement de l'eau et la conservation des champs d'inondation, ce qui permet de réduire les inondations dans les zones à protéger. Donc, ce document est en parfaite cohérence avec les actions qui sont menées par la métropole, je vais y arriver, et qui vise à réduire la vulnérabilité du territoire au risque inondation. Voilà pour l'affaire 38. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Monsieur Revol et ensuite le maire de Pérol. René. Je me félicite de l'adoption de ce PPRI. Je signale que les PPRI sont intégrés dans le PAPI 2, c'était dans le programme d'action et de prévention des inondations, et financés par l'État, et que c'est la responsabilité de l'État de réaliser ces PPRI dont on a vraiment besoin pour construire notre nouveau plan local d'urbanisme à l'échelle régionale plus protecteur. Et je voudrais ici regretter les lenteurs des services de l'État, parce qu'il y a d'autres communes. Et aujourd'hui, dans le PAPI 2, la seule commune sur laquelle on est arrivé à obtenir un PPRI, c'est Pérol. C'est très bien, mais il y en a d'autres. Et théoriquement, le PAPI s'arrête l'année prochaine. Donc, il faut mettre la pression au service de l'État. Effectivement, René. Jean-Pierre Rico. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Moi, je reviens très rapidement sur cet événement de septembre 2014. Où sur la commune, j'ai eu 350 sinistrés, où nous avons récupéré sur la route 250 naufragés de la route qu'il a fallu sécuriser, et en l'occurrence, on les a sécurisés à l'aréna. Il a fallu qu'on récupère également tous les passagers du tramway qui était bloqué au terminus de la ligne numéro 3. Donc, septembre 2014, je rejoins ce que vient de dire mon collègue Revol. Septembre 2014, les inondations. En novembre 2014, je demande formellement, officiellement, au service de l'État, la révision de mon PPRI. Cette demande est relayée en 2016, c'est-à-dire 2 ans plus tard, et on se retrouve aujourd'hui dans une décision de la métropole. Cette délibération va permettre d'enclencher l'enquête d'utilité publique. Donc, quelque part, il aura fallu 6 ans, il aura fallu un mandat complet pour pouvoir obtenir un vrai PPRI sur ma commune. Donc, effectivement, je salue le travail qui a été exécuté par les services de la métropole pour m'aider dans cette démarche. Je salue également le travail qui a été effectué par les services de l'État. Et par contre, je regrette qu'il faille 6 ans, la durée d'un mandat, pour se mettre en conformité avec des événements, avec des situations qui peuvent engendrer des situations tragiques pour nos communes. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je crois qu'on peut tous acquiescer sur la question des temporalités.
sur à la fois des dynamiques de projet, mais aussi de protection face aux vulnérabilités. Et on sait que les communes de Grabel, enfin, toute la Mosson, c'est aussi un enjeu. Et donc, il faut qu'on puisse aller plus vite. Et je me ferai l'écho de vos propos dans les rencontres mensuelles, outre les histoires de Covid-19, hein, des choses très préoccupantes avec le préfet là-dessus, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse aller vite pour la protection des populations. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des refus de prendre part au vote, des oppositions ? Une unanimité. Affaire numéro 39. C'est une petite subvention. Oui, voilà, l'affaire 39, c'est en fait une régularisation de foncier. Est-ce qu'il y a des questions auprès de Mme Négret ? Qui est contre ? S'abstient ? Ne prend pas part au vote ? Adopté. Affaire 40. L'affaire 40, c'est une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau de la région Occitanie pour le financement de 3 postes à la DEA. Très bien. Des eaux et assainissement. Très bien. C'est une réponse favorable. Jackie et René ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a des questions ? D'autres refus de prendre part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopté à l'unanimité. Et pareil, demande d'aide financière pour l'affaire 41. Est-ce qu'il y a des questions auprès de Mme la vice-présidente ? Ne prennent pas part au vote Jacques et René. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité.